Je sais pas. Quoi qu'il advienne, on va mettre du. On va changer un petit peu tout ça, la maréchette, pour avoir de meilleurs sons et meilleure qualité, Bezrat Hashem, selon la demande des gens, ceux qui nous suivent en tout cas. Bechem Hashem, la Seven Atzliar, Boker Tov. On est aujourd'hui lundi 1er décembre, Bezrat Hashem, et le tête du mois de Kislev, effectivement, Bechem Hashem. L'Agdil Torah la dira, Betachlit Shel Ratcham. Aujourd'hui, on étudiera les halachot de Hanouka pour s'y préparer, Bezrat Hashem. En attendant, avant de foncer là-dedans, pour le schéma de tous les enfants d'Israël, Bouchalala Moratimi, Vechen, Talia Bat Efrat Myriam, Yehuda Ben Eliaou, Hashem Shoré Hayou, Bezrat Hashem. Qui? Mazal Bat Aziza, que Dieu lui donne bonne réfoua Shlema, Torche Arben Israël, sans oublier Jonathan Pollard, que Akadosh Bouchou le ramène, Mamash Maher Meod, le Veto, Bari Bechalem. Pour la Lune, je Rachel Rina Bat Sarah. Rachel Rina Bat Sarah Simcha. Bat Sarah Simcha, Rouah, Hashem Tanahena. Amen. Elion, ok. Sans plus tarder. Amalbin, Noach, Lola, Adam, on l'a vu. Alte Bayesh, Im, Ishtecha, Batora, Mizvot, Ava, le Baal, Avera, Mutar, le Baisho, ou le Onot, Bidvarim. Alte Bayesh, Im, Sheitecha, Batora, ou Mizvot. Il ne vient pas une millième personne qui est dans la Torah, Mizvot, Ava, le Baal, Avera, mais celui qui fait beaucoup d'Averot dans ce monde. Mutar, le Baisho, le Onot, Bidvarim. On a le droit de lui faire un peu honte et de le reprendre. En lui disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire pour son bien, pas dans l'intention, chas v'sham, de le vexer. Aval, behemet, de le reprendre. Et pourquoi cela? Parce que quand on aime vraiment une personne, ve'af talireacha kamocha, j'insiste beaucoup sur ce point très souvent ignoré des gens, c'est qu'on a l'impression que d'aimer une personne, c'est de lui dire ce qu'il a envie d'entendre, d'aller dans le sens du poil. Dans la Torah, le chaver, l'ami, c'est celui qui dit exactement l'opposé de tout ce que tu dis, qui n'est pas d'accord avec toi pour te fuseler les mochines, en d'autres termes, pour que tu t'améliores dans la vie. Non, je suis pas d'accord parce que regarde, il y a ça et ça et ça. Comme on le voit dans le Talmud, il n'y en a pas un qui est d'accord avec lui, on appelle ça Chavruta Chaver. Ils étaient amis l'un avec l'autre. La reine Bémet, quand on aime vraiment quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, on va pas dans le sens du point de dire, bon, ah, je suis pas là pour juger, c'est pas une question de juger, ce que tu fais c'est mal, Nekuda. Pourquoi je te le dis? Parce que mieux vaut l'entendre d'un être humain comme moi gentil que de l'entendre après ta mort d'un endroit où tu pourras plus rien réparer. La reine Bezrat Hashem, quand on aime vraiment son prochain, on le reprend, mais il faut avoir la pédagogie, la psychologie nécessaire pour que le message soit reçu, car si on fait un trou dans l'eau, ça ne sert à rien. Si tu fais une remarque à une personne et que tu sais qu'elle ne sera pas reprise, elle ne sera pas acceptée, elle va dire que ça ne sert à rien de le faire. Ça ne sert à rien. La reine, filo, chiyach, tochiyach, et amitech, un show qu'on avait déjà fait l'an dernier, il faut savoir que si la personne, al-pi alacha, ne recevra pas ce que tu as à lui dire, elle ne recevra pas, ça ne sert à rien. Astishtok. L'amal, qui lotissa à l'abchet, ne fait pas voyager sur lui la faute. Non seulement il fait la faute, tu lui dis et continue. Ça veut dire qu'il montre maintenant que c'est plus son yitzhara, mais un choix de vouloir le faire. La reine, zélo aïnen. Akol nifra beyad shalia chutz mehonaha, ben apargon min al befanav. Ashir, shimukache jada tsovel, on a fini avec ça. On avance. Bgadim, bigda adam et ramzim al midotav shel adam. Les habits d'un homme viennent faire allusion à ses vertus. C'est pour cela que dans la vie, il faut savoir s'habiller de façon convenante. Tu peux voir par les habits d'une personne, midotav shel adam. C'est pour ça d'ailleurs que le mot en hébreu de habit, dit comment? Madim. Madim qui vient du mot midot. Midot intérieur. Madim. Quand on porte un soldat, il porte des habits, on appelle ça des madim. On s'appelle des begadim, on a fait un cours sur ça, on repasse. Aval zainyan. Madim vient montrer qu'une personne ne se comportera pas de la même façon s'il porte un jeans que s'il porte un pantalon à pince. C'est pas la même chose. La conduite de l'homme, c'est l'habit qui fait le moine. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine, disent les chrétiens. Aval zeinian meod meod chashuv selon Rabbeinu. Mi sheolech yahev yadoua shehu choté. En général, celui qui marche pieds nus dans ce monde, et on peut considérer qu'il a des fautes sur lui. En général, les gens qui maintenant, si c'est une question de maladie ou de chaleur, on parle pas de ça. Aval mi sheolech yahev kolazman, celui qui marche pieds nus, beyadoua qu'en général il a des fautes sur lui. Pamet varim amourim. La tsniout, aussi pour les chaussures, mais moi, personnellement, j'aime pas marcher avec les chaussures, j'aime marcher sur le froid. C'est-à-dire, à Valkekaron, tzarich lilvosh, machinikran, alebait. Même à la maison, c'est bien de porter des chaussures. Il y a d'autres raisons à cela qui sont amenées. Mais l'eau qui m'a kohen gadol, le kohen kohenim, j'ai eu bebet amigdash, l'ochim yechafim. Quand dans le bet amigdash, on mettait pas de chaussures, on marchait que pieds nus, là-bas, sur place. C'est-à-dire, atkan. On en vient à. Aux lois de Hanouka, Bezrat Hashem. On
On allumera Bezrat Hashem la Hanouka du côté sud de la synagogue, ben les rotiyum et soudarim, entre les nerot seront entre l'est et l'ouest Bezrat Hashem. והדרך המהודרת שיעמוד מדליק באופן שגבו לצד דרום, le mieux c'est d'avoir le dos au sud pendant l'allumage des bougies dans la synagogue, פניו לצפון et son visage au nord. ונמצא שמדליק במערב למזרח, et ainsi donc il allumera entre l'ouest et l'est, בעזרת השם, pour avoir le best and the best dans la synagogue. כדי להדליק בברכות, בבית הכנסת, pour pouvoir allumer les nerot dans une synagogue, il faut un minimum de 10 personnes. Alors, on a une exception à la règle pour deux mitzvot. Vous avez remarqué dans le judaïsme, il y a deux mitzvot pour lesquelles on a une exception à la règle. C'est que les enfants qui comprennent le pourquoi des mitzvot, c'est-à-dire Gil Chinuch, soit l'éducation de l'enfant à partir de 6 ans, et les femmes. En général, les enfants de moins de l'âge de 13 ans et un jour et les femmes ne peuvent pas faire partie d'un minyan, ni pour une prière, ni pour un kaddish, ni pour autre chose. Nekuda. Aval, seulement. En ce qui concerne l'allumage des bougies de Hanouka, les enfants âgés de plus de 6 ans, donc ils comprennent ce qu'ils font, et les femmes participent au minyan, ainsi que pour une autre mitzvah, Purim. La Megillat Purim, aussi les femmes participent au minyan. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient béotones, elles étaient dans les miracles aussi. Elles ont survécu à la décision de Haman de détruire le peuple juif. Askedé la dig bevrachot bebet knesset tsarich shiu lefachot minyan. עשרה. וקטנים שהגיעו לגיל חינוך, מגיל שש, ונשים מצטרפים למניין לגבי זה בלבד. Alors, ce matin, pendant la prière, j'avais expliqué une question qui m'a été posée, et celui qui a un bureau, celui qui a une usine, celui qui a un endroit où on travaille, et là-bas, il y a des juifs. Est-ce que oui ou non, il doit allumer là-bas sur place, à Enyan ou Kacha. Si, il a 10 personnes, ça veut dire il a 10 ouvriers et ouvrières juifs, il allume dans son bureau avec la bracha, Pirsouménissa. Et s'il n'a pas les 10 personnes, il y a de l'ik, lama, parce qu'il y a aussi le Pirsouménissa, publication du miracle. Bah, filou là-bas, il va dire qu'il va rentrer tard. Il y a de l'ik, bah, makom, bezrat Hashem, ve, loïtsime de chova. C'est pas qu'ils vont sortir de la mitzvah pour ça. On dit qu'ils vont sortir de la mitzvah pour ça. Aval, il y a de l'ik à la maison, ish ou beto. Aval pour le tzibour, ken, y a de l'ik, bebracha. C'est comme bezrat Hashem à la salle. Si tu viens et que tu fais la bracha à la maison, après tu vas à la salle, pour le gala, par exemple. Là-bas, on va mettre la menorah. On va se retrouver à plus de 10. C'est le varech. Lama, pirsou menissa. Le varech, la dikne chanouka. Shiniske bezrat Hashem, la gdil tchmo shalakadosh baruchu, bezeouze. La chène, celui qui a une usine, celui qui a un magasin, et là-bas, il y a des gens qui sont juifs, il veut allumer avec la bracha, moutar. S'il n'a pas les 10 personnes, assour. Il allumera sans bracha. Mais est-ce qu'il allumera? Il allumera baruch sheken. ההדלקה בבית הכנסת תעשה על ידי הרב או השמש. Donc, on peut allumer la Hanouka, la synagogue. En général, par le plus érudit. En général, c'est ce qu'on prend. D'accord ? Si l'érudit, maintenant, il ne fait pas très haut de taille, il fait 1m40, les bras levés sur un tabouret, il ne va pas atteindre la menorah, le pauvre. Alors, on donnera ça à qui ? Au gabay. Pourquoi le gabay ? Le gabay, il est peut-être Amma Haret, peut-être qu'il ne connaît rien, le pauvre. Avant, un gabay de synagogue, il a un srout énorme, comme c'est marqué. Le olam adam, itraten imbat amitracham. Veim lo. La fille du gabay. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'il s'occupe du tzibour, le fait de s'occuper du tzibour dans une synagogue, c'est énorme. C'est énorme de s'occuper du tzibour. Kadosh Baruch Hu, il donne le mérite des pères sur celui qui le fait. L'achen bezrat Hashem, de l'autre côté, 120 ans, d'être gabay, c'est une énorme responsabilité. C'est tellement une grande responsabilité que les gens devraient fuir le tafkid au lieu de le prendre. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe dans la synagogue, c'est pour leur dos à eux. Si ça parle, c'est pour leur dos à eux. Si il y a quelqu'un qui n'a pas pu prier avec son livre parce qu'il n'avait pas de livre et qu'il y avait un livre, le gars n'avait pas fait son travail, c'est de sa faute à lui. Tout est sur son dos à lui. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs en hébreu. Comment on appelle un gabay en hébreu ? Shamash, mazé shamash. Non. Non. Shamash, mais le shamash en hébreu, c'est quoi ? Non. L'utiliseur, celui qu'on utilise. Shamash, balé shamesh. Il vient servir. C'est le serviteur de la synagogue. Zah Kavana. Il n'est pas là pour se la ramener. Il est là pour servir les gens. Zah Shamash. Vous avez des comptes à régler ou quoi? Oh, tu t'es fait déchirer en 2 secondes.
Il s'est mis au fond d'Afka pour pas. Il s'est mis au fond pour pas que l'entende. Shama, c'est lui qui normalement doit sortir les poubelles, faire la cuisine, nettoyer les toilettes. Chacun son rôle. Et voilà. Voilà les Shamas d'aujourd'hui. Même eux, ils ont changé. כשאין מניין עומדים להגיע ואין זמן לחכות להם כגון בערב שבת לדעת הקו החיים ידליק הגבאי ללא ברכות ולדעת רב עובדיה יוסף ידליק עם ברכה. Alors qu'est-ce qu'on fait le vendredi? Qu'est-ce qu'on fait le vendredi, Maurice? Tu dois venir allumer les bougies, donc on fait mincha un peu avant, c'est mieux de faire mincha avant. T'as dit kodem, mincha avant. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu viens à la synagogue. Alors Shabbat, le vendredi soir, nous on prie à 6h15 à peu près, à 4h15, ça va être plus ou moins l'heure à laquelle on va prier. Toi, tu vas venir avant. Il faut que tu ailles déjà chez toi avant, après tu viens ici. Maintenant, quand toi tu vas venir ici? Ouais. Il n'y aura encore personne dans la synagogue. En général, dans cette synagogue, c'est simple. Nous, on fait mincha avant à 2h. Ensuite, on revient que pour arvit. Tu comprends? Alors, mais toi, tu dois être là avant. Avant la shkia pour pouvoir allumer tes bougies. À la shkia, même si tu allumes, à Bal, tu dois être là. Mais il n'y a pas de minyan. Comment tu fais? Est-ce que tu fais avec la bracha si tu es seul ou est-ce que tu fais sans bracha? Sans bracha. Sans bracha. Donc vous êtes d'accord avec le Kafa Hayim. Le Rav Ovadia Yosef vous dit pas du tout. Même si tu es seul, tu fais avec la bracha le vendredi. Pourquoi? Matam shel Rav Ovadia. Il y a les malachim. Hein? Il y a les malachim qui complètent le minyan parce que c'est Shabbat. Donc toi seul à la maison, tu fais arvit, tu fais avec le kaddish toi. Non, il y a la synagogue. T'es viré. Réponse naze. Est-ce que tu allumes pour le tibour? Tu allumes pour le tibour, mais il n'est pas là. Donc, mais ce... ça même quand ils vont arriver, puisque ça doit durer jusqu'à... Voilà. Donc, il fait tchouva, il essaie de se, racheter. Non, étant donné que tu vas allumer ici, selon Rav Ovadia Yosef, pourquoi tu allumes avec la bracha même si tu es seul? Parce que le tibour va arriver. Et comme c'est bishatatra, comme on n'a pas le choix, mais va dire que tu pourras allumer avec la bénédiction. Même si tu es seul, car le tibour va venir voir les lumières qui ont été allumées. La reine, les filles Rav Ovadia Yosef, Zeken, Moutar, Levarer, Be'adlaka, Zo. On a le droit de faire la bracha dessus. Le mieux, Kedelatet et Dehova, c'est de demander à 10 personnes de la Beth Knesset d'être présents. Ça veut dire de venir un peu plus tôt et d'être présent pendant. Maurice, d'être présent pendant l'allumage des bougies pour la Tet et Dehova des Khoulé Alma. Pour sortir de toutes les déhotes, toutes les opinions, fait. Et en sorte que Bezrat Hashem, tu aies 10 amis autour de la synagogue qui puissent venir pendant que toi tu viens. Tu fixes avec eux. Voilà, je dis n'importe quoi, Shabbat, ça rentre à 4h17. D'accord? À 4h16, que tout le monde soit là. Comme ça, Bezrat Hashem, 10 personnes soient là, afin que tu puisses allumer. Si ce n'est pas le cas, il te manque une personne, c'est pas grave. Tu allumes avec la bracha, puisque Mimele, dans la demi-heure, on va tous arriver. Donc, la reine, c'est Gamillé, Beseder. C'est uniquement pour le cas du vendredi, hein, pas pour autre chose. Zéo. Une question pour le bureau. Si on compte rentrer à l'heure où il fait nuit, si par exemple il fait nuit à 5 heures, et qu'on rentre chez nous pour allumer, on allumera aussi au bureau là, également? Tu es au bureau, tu vas aller chez toi à la maison pour allumer? Ouais. Alors c'est quoi la question? Tu n'es pas là donc. Est-ce que je dois allumer au bureau? Non, mais après quand je retourne au bureau, est-ce que je dois allumer au bureau? Ken, on n'a pas... Chez toi, sans... Ah, tu vas à la maison et tu reviens après travailler? Alors si tu es parti tous à la maison, tu reviens travailler, Prina Tadine, tu n'es pas obligé d'allumer là-bas. À Valsi, maintenant, tu as du monde qui arrive, au Hachem, tu as des juifs qui sont sur place, Tadlik, éphéméode. Libre. Ah, Zéouzéinian. Si maintenant, il y a des gens qui n'ont pas, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent sortir des chobas de ta bracha. On y arrivera quand ta personne, elle est, par exemple, SDF. Est-ce qu'elle sort ou pas de ta bracha? Est-ce qu'elle regarde au moment où tu allumes? Tout ça, on verra plus tard. À Valsi, Bezrat Hachem, tu as du monde, Pirsoumenissa, tu allumes le bracha. Si maintenant, ils ont tous allumé, il y a tous des chobas, tu allumes son bracha. Le monde. Il y en a qui disent, Bichla, si je me souviens bien, que la filou. S'il y a 10 personnes qui sont sur place et que c'est un nouvel endroit, tu peux allumer avec. Amadik bebet knesset mevarech al kol haberachot shemadlik v'achar kach bebeto im yesh imo od anashim. Hine, c'est dit. Im yesh imo od anashim. Avec encore du monde. Chozom mevarech al kol haberachot. Aval, im en imo od anashim ledat hakav haim, mevarech ladlik shas hanisim, aval lo shehayenu ledat Rav Ovadia Yosef, v'rak ladlik ner chanouka. Si le gaba il a animé maintenant à la synagogue, où la personne est mise à la synagogue, et qu'à la maison, il n'y a pas de nouvelle personne, il n'y a que lui et sa femme qui étaient par exemple présentes. Selon Rav Ovadia Yosef, celui qui est mis à la synagogue, il dira juste la bracha de la Ligue Nechanouka. Il ne dira pas chez Hayanou, mais chez Asanissim. Selon Kafa Hayim, il dira chez Asanissim, mais Nechanouka. Berev Shabbat, im berchou ala kaal bevetam, chez Adlik Agabai, bevetakness, et le date de Kafa Hayim,
יברך על כל הברכות סכום מברכת שיחיינו, בדעת רב עובדיה יוסף, יברך רק להדליק. בית הכנסת שיסיימו את ציבור את התפילה, ורוצה הגבאי לכבות החנוכיה, רשאי, אף שלא דלקה חצי שעה, ושם ניתן לכתחילה שמן חנוכיה פחות משיעור כחצי שעה. כן, ויפסיק רק לזמן התפילה, תערבית. כמה לדעת רב עובדיה יוסף. ושינים את נון לסינגוג, יסון בני פריה מנחה ירבית. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le gabaï? Il a mis de l'huile pour un quart d'heure. Le temps qu'on allume, maintenant, un quart d'heure, on fasse ça vite et on s'en aille. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? C'est une demi-heure le minimum. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ils ont mis ça dans la synagogue, il y a le temps qu'il y a des gens. Du moment où Arvit est terminé, tout le monde est parti. Il n'y a pas de lumière depuis qu'ils ont mis ça. Donc après, c'est dangereux de laisser une lumière sans asgaf. Oui, on peut l'éteindre. Donc on peut l'éteindre, oui on peut l'éteindre, c'est-à-dire que si maintenant on s'en va tous et qu'on a peur que malheureusement ça prenne le feu ou je ne sais pas quoi, dans ce cas-là ce serait permis de l'éteindre, et même s'il a mis par contre une cachéour, même s'il a mis moins que la quantité est nécessaire pour une demi-heure, il fait la baracha dessus quand même pour que le pire simonissa, pourquoi? Parce que adlakata zeh mitzvata, le fait d'être allumé c'est aussi la mitzvah elle-même. La reine dans ce cas-là ce serait moutard, mais pas par contre à la maison, b'shum panim ba'ofem. Aval ceci étant dit, l'otov la sotzot, ce n'est pas intelligent ni convenant de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que dans la synagogue, peut-être qu'il n'y a plus personne là, mais d'extérieur, on voit les bougies qui sont allumées. Le Pirsoumeni, ça, il marche aussi dans ce domaine. Et plus, comme je vous l'ai déjà dit à l'épisode, plus il y aura de bougies animées, de Chanoukiot animées dans le peuple d'Israël, et mieux c'est. Plus ça dure longtemps, et mieux c'est. Parce que les lumières de Chanouka amènent le miracle de Chanouka dans nos jours d'aujourd'hui. Ça veut dire que les lumières viennent lutter pour nous dans l'atmosphère tamée dans laquelle on vit. Sachez-le. Donc, c'est top, chez Bezrat Hashem. Le mal d'avoir dormi, vous avez déjà mis des. Vous savez, des chambons à la maison? Des fois, tu rentres à la maison, ça sent la cigarette ou le renfermé. Tu ouvres les fenêtres et tu mets du chambon, tu mets un produit quelconque. Du parfum, peu importe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Eh bien, l'odeur change et elle s'embaume d'une avira agréable, d'une ambiance agréable. La Hanouka dans une maison, c'est un karcher pour tout ce qui est tamé dans la maison. Les lumières de Hanouka réavivent la neshama de la maison. Donc c'est tof chez Edalouk. Si tu as les moyens d'avoir, Bezrat Hashem, des gros verres pour mettre vraiment beaucoup d'huile, comme chez Yadlik, Bezrat Hashem, comme chez Tov. Même si tu es sorti de la mitzvah, le pipchat, pris une demi-heure, zéou. Tu n'es pas obligé de faire plus. Au-delà de cela, sachez que les lumières de Hanouka sont comme un parfum spirituel qui chasse l'obscurité d'une maison. C'est ça. Il n'y a pas que le côté pshat, halakha, il y a aussi d'autres événements qui se cachent derrière tout ça. Puisque c'est la Shekhina elle-même qui vient reposer sur les Chanukia. C'est la Shekhina. C'est ça. Le Bet HaKnesset Madikim, Nerot Chanukia Ben Mincha Le'arvit, au Bilvat, She'agia Zman Shkia Le'fahot. À partir de quand on allume? À partir de la Shkia. Uniquement la Shkia. Mais on allume quand? Entre Mincha et Arvit, Kayadoua, et pas après Arvit. Pourquoi? On devrait allumer après Arvit. Après, c'est après Arvit. Mais non, il dit là, c'est pour le Tzibour. C'est pas le Icar. Le Icar, c'est la maison. La reine pour le Pirsoumenissa, pour la promulgation du miracle, on va pas attendre que les gens, dès qu'on allume les bougies de Chanouka, ils s'en vont si c'était après Arvit. On va vouloir qu'ils restent avec un petit peu les Nérotes. C'est pour ça qu'ici, dans cette synagogue, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on allume un petit peu, mais je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui sont avec nous depuis 7 ans ici, qu'est-ce qu'on fait entre Mincha et Arvit dès qu'on est allumé? On danse. On fait toujours des danses ici. Dès qu'on allume, on fait 3 petits tours et puis s'en va. Avec l'avrechim, pourquoi? Pour donner de la simcha au nerot. Pas simplement nous, on profite de cette lumière, on donne aussi de la simcha à cela. Bezaïnyan. Be'erev Shabbat Chanukah lechatkela itpalelu mincha kodem adlaka ve'esh beze shte ta'amim shelo yeh sutar. סותר, סליחה, את עצמו בזה שידיק ועשהו לילה, מתפלל מנחה, ואחר כך טעם השני תפילת מנחה כנגד תמיד של בין ה-40 והדלקת נרות הייתה לאחר התמיד. דו רזון, אסלה פוקרון אופר מנחה ידי איסי, אבן אבסולימון להדלקות נרות חנוכה, סקיונסי כלי דלקות להדלקות סליחה דו חנוכה סון אלימבל לנוי, סיטוי אלימי דבו חנוכה יקפרית שבאפר מנחה, סביר כתוי אופן קונט מונט כתפריר דו מנחה הייתה תשעה לנוי, פעה לג'ורנה. La deuxième chose, c'est qu'on sait que le korban du matin s'appelle korban tamid. Et le korban de l'après-midi s'appelle korban ben ha'arbaim. Et la chanouka s'allumait, comme il dit ici.
Atama shin filat mincha keneged tamid shel ben ha'arbaim. C'est tamid ben arbaim, c'est-à-dire c'était tous les jours, mais de ben arbaim. Ve'adlakat hanerot ha'ita le'achar ha'tamid. Et on sait que l'allumage des nerot était toujours après le tamid. Mais c'est tamid, tout ce qui était tous les jours. Dans l'allumage au Bet Amikdash, quand on allumait les bougies de la Hanouka, pas les bougies, la Hanouka, c'était après le Korban Tamid. Donc comment s'appelle la prière du matin Tamid et l'après-midi Tamid Ben Arbaim. Donc comme c'est Tamid aussi Ben Arbaim, il faut d'abord faire Mincha et après allumer comme le Seder du Bet Amikdash. En d'autres termes, la chronologie dans le Bet Amikdash était d'abord le Korban et ensuite la Hanouka. Pas la Hanouka et le Korban. Donc ainsi donc, si tu fais Mincha après, tu as inversé le seder du Beth Amikdash. Comme ça, c'est rapporté dans Kaf Haïm. Seder. Donc d'abord Mincha Gdola, et ensuite Zeuze. Lo yitpalel Mincha b'yahid b'erev Shabbat l'tzorech hadlakat acharei tfilat Mincha. Mincha Ktana. Il y a des gens qui, malheureusement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier chez eux Yahid Mincha pour pouvoir allumer toutes les bougies. Après, ils vont arriver en retard à la synagogue pour prier Arvit. Lo tov emosim. Ze lo nachon ve lo nachon bichlal. Assur yitpalel Yahid. Prier Yahid, c'est très compliqué. Pour pouvoir être reçu dans sa prière à Yahid, il faut verser des larmes ou avoir des kavanot, faire des yichudim pour que sa prière elle monte. Sinon, ta prière n'est pas valable. Alors, bien entendu, ceux qui font tshuva et qui prient Yahid en étudiant ça, ils vont dire alors, c'est rien que je prie Yahid. C'est un début. Quand la kavod, avant, tu priais pas du tout, maintenant, tu pries. Mais au bout de 2 ans, 3 ans de tshuva, tu pries encore Yahid, c'est un problème au niveau de ton engagement vis-à-vis de ton judaïsme. Donc, va prier maintenant en tzibour, la reine. Il y a beaucoup de gens, ils se débarrassent de ça en disant, tu sais quoi, je vais faire mitra à la maison, ouais, et après je vais aller prier arvit. Lo nachon, je vais prier mitra gdola bezrat Hashem, et seulement, j'ai l'impression de déranger des gens quand je dis ça, ça va? Ah, d'accord. Bezrat Hashem. Ah, ça va. Je sais pas, je te sentais en mince. Non, non, vada yishelo. Tov liten lebanav aktenim ladik et aner ha-shamash, aval et shahar anerot et da'at abkachayim, asur liten la'em ladik. ולדעת הרב עובדיה יוסף, זכותו תגננו, קטנים השגיעו לגיל חינוך, מותר ליתן להם להדליק, אבל לא פחות מגיל חינוך, רשאי ליתן להם להדליק רק את השמש. לשמש, on peut le donner à qui on veut, même les petits enfants. Seulement pour le Kafa Haïm, on a vu qu'on n'a pas le droit de donner les nerot haïdour, c'est-à-dire celles qui sont rajoutées à chaque jour, puisqu'on avait vu que Minadine, selon le jour Alpidine, c'est-à-dire Alpi Alaha, on sort des Chova d'une seule bougie. Le Kaf Haïm dit que non, le Hidour Mitzvah est aussi important que la Mitzvah elle-même malgré tout, puisque c'est enjoliver la Mitzvah. Le Rav Ovadia Yosef est cholek al zeh, et il nous dit, ma pitom. Pour les enfants qui ont plus de 6 ans, tu peux leur laisser allumer les Mitzvot à Hidour. Ah ben, attention, je vous mets en garde. Quand vous avez fait la bracha, il est préférable, d'ailleurs interdit, de parler jusqu'à ce que la première bougie du jour concerné soit allumée. Et qu'elle monte de par elle-même. Sinon, tu fais un effet entre la bracha et l'allumage. D'accord? Pour le sh'ar, pour les mitzvot haïdour, on a le droit de parler minadine. Celui qui veut éviter d'avoir la bracha. Aval zemoutar, qui zekbar haïdour, le lokbar lochova. C'est enjoliver la mitzvah. Donc, si maintenant tu as pris ta bougie pour allumer la première bougie, toi en tant que père ou la mère, elle peut le faire aussi. Elle aime allumer la première bougie. Tu donnes aux enfants qui ont plus de 6 ans, moins de 6 ans à sourd. Pourquoi elle nous vient même aussi? Donne pas ça à ton bébé qui tient la bougie, il a 2 ans et demi. Allez, toi aussi, tu allumes. Le cachour, à partir de 6 ans, tu donnes et tu laisses allumer. Le shamash, la 9e bougie, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, qui est moins d'être la moins importante, même si elle pipchat, elle est la moins importante. Ah ben, le shamash, en réalité, il est au-dessus en train de surveiller toutes les autres. Eh bien, celle-là, tu peux la donner à qui tu veux. Mbezebaya. Pour le shamash, je parle. Ken, avant, même pour les misotes à Idour, Ahel Migil Sheshana. Kafa Haïm, il dit Bichlal, pas du tout. Rav Ovadia, il dit, quel moutard. La chen zetov, on était de faire participer tout le monde. Si vous avez 8 enfants à la maison, non. C'est tout le tiroir, l'armoire, t'en as partout des gosses comme ça, Baruch Hashem. T'as 8 enfants, il y a que le 8e jour où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bagarre. Voilà, il n'y a pas de problème, il faudra attendre le 8e jour, Bezrat Hashem. Aval Kikaron, zetov, la tête, gam. Laïcha l'a dit aussi. Vous savez que mon Rav m'avait enseigné une fois que j'ai fait ça récemment avec mon épouse, que Dieu la bénisse. Ken, hein, et son mari aussi, là, c'est vous qui le dites maintenant. Le kiddush à sa femme une fois par an, c'est bien qu'elle le fasse. Vous êtes en tête à tête, tov sheisha gam ta'aseh, kiddush pa'am achat. Ken, s'il n'y a pas de. Mishum sniut zelo tov,
אבל גם תעשה למה, פעם אחת בשנה, כמו שאני אומר, מורב, וכן טוב שאדם ידליק פעם אחת את הנרות בשנה. עושיס, זה בין עושי כלום, אין פועה, אין לילים לבוז'ית שבת, לוי. אין פועה דון לנה כמסה. למה? כי עיקרון זה לא מכיר דיו לזלמי לבוז'ית שבת, אבל כמו לפעם, היא קונסידרת כמו הכרת בית, בת מלשון בית. לפי זה למזון, לפעם זה למזון, כמו נפל אין פעם, אין עברו, דון תלמיד, אקזקטמן, ביתי, מהמזון. C'est pour ça que quand on pose la question à une personne, on dit comment va ta femme, ça ne se fait pas dire comment va ta femme, pourquoi tu veux quelque chose chez elle. Comment, non, pas bêti. Comment ça va à la maison. Tim Sordash le Betechas. Passe le bonjour à ta maison. On dit directement à ta maison. Dire mot femme, il faut garder des distances. Pourquoi? Après, la proximité, c'est une ouverture à la faute. Ça ne veut pas dire que si tu as dit comment va ta femme, tu vas lui prendre sa femme. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que tu as ouvert une possibilité au Yetzerara de commencer un travail, comme une brèche. לא יפה, זה לא דרך רץ, זה דרך כמו בת הפעם. לרפונס, מה אכפת לך? כמו בת הפעם. כס קטון האפר, זה כמו בת הפעם. כמו בת הפעם. זה פת צנוע, כוונה זה פת פידיק. דן לתורה, הוא פה אטנשו הנומו, הוא די, משלום ביתך. כמו בת המזון. הברכה. כן, בסדר. לא משנה כי ללום. La bougie elle-même, qui l'allume, on s'en fiche, ça n'a jamais été un dion. La bougie du jour. Oui, vadaï, là t'as jamais... C'est uniquement après qu'on... Uniquement peut celui qui a dit la bracha allumera la première bougie. Quel homme échané. C'est un problème de, comment on s'appelle, de donner aux enfants si une autre anoukia, chacun. Je sais que c'est le ménage kashkenaz et que le ménage sparat, c'est d'en allumer une seule. Ouais, quand j'étais petit, j'étais à l'école Oubaviz, donc c'est ça qu'ils nous ont appris. Et depuis, c'est resté dans la maison toujours. Est-ce qu'il faut changer ce ménage, il n'est pas bon? Ou bien c'est possible de laisser ça pour les enfants, dans l'habitude. L'otov, la sozot, nous ne sommes pas ashkenazim, que Dieu bénisse les ashkenazim, eux et leur alachot et leur minagim, baruch Hashem, on n'est pas plus qu'eux, on n'est pas moins qu'eux, aval kol echad bazdeh shelo. Sfaradim, al tifrosh minat zibo. C'est pour ça que j'ai appris, moi, depuis tout petit. Et alors, t'es pas né avec des dents, pourtant elles ont poussé, dans la vie on change, non? Eh ben tu fais pareil, tu changes. Shtuyot vavalim. Je suis grand, donc moi j'ai un peu. Non, t'es pas avec des poils blancs, pourtant ils sont blancs là maintenant. Tu vois, la vie elle évolue. La vie il faut évoluer. Tov. Hayom, Sharbeno Agim, la Diknerot Chanukah Betocha Bait, Lachen, Adam, Sheshlo, Shte, Ptahim, Levet, O, Lachatzer, Abait, Lachatzer, Eno, Tsarich, la Dik, Bishtehem, comme ça, dit le Rav Yosef, celui qui a deux entrées de chaque côté. Étant donné que chacun aujourd'hui a sa maison, Baruch Hashem, chacun vit chez lui, il dit ici. Il a maintenant deux ptachim, les bait, la bait ou la hatzar, donc il a deux... deux entrées. Oui, mais hatzar, c'est deux jardins. Oui. Et un autre tsarich l'a dit, Bishtem, il n'est pas obligé d'allumer dans les deux endroits, quoique ceci étant dit, s'il le fait, tavo alaf beracha. Il y en a qui disent que si, il est obligé. C'est-à-dire, Bereshut Arabim, s'il a deux entrées, un jardin, la maison, elle est là. Là, il a Bereshut Ha'echid, et là aussi, il a Bereshut Ha'echid. Il a deux entrées, ça arrive. Dans ce cas-là, ce serait bien d'allumer des deux côtés. Ah, bah, l'Ochoba. Bon, il allume quoi? Dehors, ça veut dire? Non, des deux côtés. Bereshut Arabim va d'ailleurs dehors. C'est-à-dire, celui qui est en maison, en carcan, il allume à l'extérieur de chez lui, juste devant sa maison? Alors, bah, d'ailleurs, que si maintenant, il allume de là où il est et que personne ne voit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, quand j'habitais à Yerushalayim, Tibanev et Tikonen, la maison était en bas des escaliers, on allumait la bougie. Comment dire, dehors, dans le mavo, dans le hall. Pour que ce soit, on avait fait une vitre en verre à l'époque, pour qu'on puisse voir de l'extérieur nos bougies. Sinon, t'allumes chez toi, ça ne sert à rien. C'est pour toi et tes enfants, alors. La l'Ekadzeb et Rejout Arabim. Tu vois, mais à la maison. Le Zman Adlaka, on ne va pas perdre de temps, Zman Adlaka, Nerot Hanouka, ou Betset Akouchavim, Ve'en Le'adlik, Ve'en Le'ahar, Milvad, Shitenba Shemed. La chemin chetechale, regel minashuk, achetichle, slicha, regel minashuk, shuk echati sha'am, etc. kochavim, on l'allumera dès la sortie des étoiles à Aaron. Le meilleur moment, c'est dès la sortie des étoiles. C'est pour cela que les synagogues doivent, les dirigeants des synagogues, faire mincha et arvit, pour vite libérer les gens, le temps d'arriver à la maison à cet akochavim, pour allumer les bougies. Vechen. Alors là, ce que je vais dire va faire certainement remuer la tête. Les patrons juifs, parce qu'il y a des patrons qui sont juifs, mais parce que leur mère est juive. Mais donner leur Shabbat à leur ouvrier, ça ne donne pas. Ah non, 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 travaille chez moi le Shabbat. J'arriverai jamais à comprendre ces gens. Jamais. Jamais. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas qu'on puisse être assimilé à un point où non seulement toi, tu n'es pas Shomer Shabbat, mais en plus, tu ne laisses pas les autres être Shomer Shabbat. Oy lecha beyom adin. Malheur à toi le jour du jugement. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. Quelqu'un qui m'a écrit récemment comme ça. Je travaille chez les Juifs, il ne va pas me donner mon Shabbat. Il m'oblige à travailler le Shabbat. Soit rachat, c'est une chose. Soit stupide, c'est autre chose. Mais qu'en plus, tu laisses les autres plonger avec toi dans la vera parce que tu sais que tu les tiens par le collet. Oy lecha beyom adin. Miskin. C'est une opération chirurgicale. Tu ouvres le cerveau, il n'y a rien dedans. Chey. Chey. Donc ils croient que ce sont eux qui font leur parnassa. Shemishmor virahem. Que toi tu veuilles travailler, c'est entre toi et ton créateur, même si on va tous payer pour ta bêtise. Mais tu fais travailler des juifs le Shabbat. Il y a une Gemara sur ça dans Megillah qui parle d'une rechaïd gdola meod. Et comment elle s'appelait? Vashti! Et la Gemara nous dit, quel était le péché de Vashti? Qu'est-ce qu'elle était, en quoi elle était pourrie, Vashti, la femme de Achashverosh dans Purim? Qu'est-ce qu'elle a marqué dans la Gemara? Yotarumot beShabbat. Elle faisait travailler les Juifs pendant Shabbat. Les Juives. Dafka le jour du Shabbat. Elle renvoyait toutes les goyotes. Elle faisait travailler les Juifs pendant Shabbat. Ah. Kadosh Baruch Hu à Vashti lui a dit, Kevoder rotsa lasot tsrok. Tu veux faire comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il a réincarné Vashti à sa mort. Non seulement elle a été humiliée, pendue, haut et court, mais dès qu'elle est sortie de son corps, Kadosh Baruch Hu, il l'a emmené d'abord au Gilgulim, toutes sortes de Gilgulim, et à la fin, elle est arrivée beaucoup plus tard, à l'époque des Amoraïm, dans une vache, Vashti. Ah. Et cette vache-là, elle a pris des coups. Hein. Qu'est-ce qu'elle a pris des coups? Elle a grandi chez un juif, et le juif, bien entendu, il travaillait pas le Shabbat. Alors cette vache a appris, une vache, pas Marguerite, hein, Vashti. Elle a appris à être Shomeret Shabbat. Il ne manque plus qu'à Kippa, les titites et la brite. Jusqu'au jour où ce juif, il a voulu vendre sa vache. Et il l'a vendue à qui? À un Ishmaïli. Il l'a vendue à un arabe. Il l'a vendue à un... Il y en a qui disent à un Edom. Comment c'est marqué Edom? Je me chanais. Il l'a vendue à un Goy. Prends pas de risque. Et le goy maintenant, après quelques semaines, il vient voir le propriétaire de la vache qui lui a vendu, lui dit, moi, toi, tu as la kippa, tu as les tzitzit, tu as la barbe, tu es un homme grand en Torah, comme ça tu me vends une arnaque, t'as pas honte du chidoul Hashem? Il dit, pourquoi? Il dit, ta vache, elle veut pas travailler le samedi. Pourtant, je l'ai frappé, hein, je l'ai éclaté. Hein. Elle veut pas travailler, rien à faire, il y a rien qui bouge. Ah, lui, mais non, faut pas la frapper. Laisse-moi lui parler. Il est parti chuchoter à l'oreille de la vache quelques mots. Et l'autre, quand il a vu ça, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, la vache. Qu'est-ce que tu as fait? Et la vache, le samedi, elle a commencé à travailler. Il est reparti le voir, il lui a dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, avant, tu travaillais chez un juif. Et le juif, il travaille pas le Shabbat. Donc toi, tu ne travaillais pas le Shabbat. Mais maintenant que je t'ai vendu à un goy, le goy, il travaille le Shabbat. Et comme tu lui appartiens, tu dois travailler le Shabbat. Le goy, quand il a entendu ça, il a dit, ok, j'ai compris. Moi, on voit ça. Il est parti à la Rabbanout, Beit Gayer, Liot Yehudi. Il est parti se convertir au judaïsme. Il a rejeté tout, absolument tout. Et il est parti se convertir. Quand on lui a posé la question, pourquoi voulez-vous convertir? Il dit, attends, c'est une vache, elle est chômeur de Shabbat. Moi, je ne suis pas chômeur de Shabbat. Quoi, une vache, elle a compris la valeur d'être chômeur de Shabbat et de jouer du juif. Pourquoi? Je veux être juif pour être chômeur de Shabbat. Et comment s'appelle ce grand sage du Talmud qu'on verra très souvent dans nos pages? Il s'appelle Rabbi Yohanan Bar Torta. Rabbi Yohanan, fils de la vache. Comme ça, on l'a appelé. Rabbi Yohanan Bar Torta. Bar Torta. Avec le Rabbi Eliaza, il y a plusieurs Gersot. Aval Zéhainian. Pourquoi lui, il s'est converti? Il dit quoi, une vache, elle est chômeret Shabbat? Moi, je suis moins qu'une vache, moins qu'une bête. Vata, non seulement tu es moins qu'une bête, mais en plus de ça, tu fais travailler des juifs pendant Shabbat. Où est le sechel? Au contraire, quand tu vas dans une direction qui n'est pas bonne, prends pas d'autres gens avec toi, ne force pas parce que Dieu t'a laissé l'argent dans tes mains. Au contraire, tiens, chacham. Au moins, le srout. Posez la question. Regardez un petit peu de quoi je vous parle. C'est le moussard de ce matin.
On a posé la question, vous savez que quand un homme était de Torah et qu'il est redevenu renégat, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'on fait? On brûle. On brûle tout. Tout ce qu'il a écrit, ça ne vaut plus rien. Ah, pourquoi? Il est renégat. Alors pourquoi est-ce qu'on cite dans Maseret Avot la Mishnah de Elisha ben Abouya ou Omer? Elisha ben Abouya ou Omer. Pourquoi est-ce qu'on cite? Ken, pourquoi est-ce qu'on le cite? Vous avez une réponse? Parce que lui, il était plus Shomer Shabbat. Mais quand il était le maître de Rabbi Meir Balanes, et qu'il était en train de chevaucher son cheval, et qu'il était en train de marcher à côté de lui, il lui a dit « Stop, toi tu t'arrêtes là ». Il dit « Pourquoi ?» Il lui dit « Parce que tu as un mille de la dernière maison de la ville, tu fais encore un pas, tu fais ce qu'on appelle « Hazashom Haïsour » de sortir en dehors de la ville, le Troum, c'est-à-dire la barrière de la ville. Rabbi Meir, il était étonné, il lui dit « Quoi, tu me parles de Torah, et tu comptes en même temps les pas de ton cheval ?» Comment c'est possible qu'une pensée puisse faire deux choses? Pour vous dire, qui était Elisha ben Abouya? Combien il était grand en intelligence, en sagesse, en chokhma, et pourtant Kafar Baïkar? Parce qu'il a laissé un juif dans la mitzvah, il ne lui a pas dit « Bol le Halel ». Regarde ce qu'il a fait. Lui était Mechalel Shabbat. Il monte un cheval pendant Shabbat, ce qui est un interdit. Et en plus, il dépasse le troum de la dernière ville. Il est Mechalel, ma mâche est à Torah. Mais mâche, il est Mechalel Shabbat. Il enfreint le Shabbat. Mais au moins, il a dit « Non, toi, ne sois pas un Mechalel Shabbat. » Parce qu'il a sauvé la vie d'un juif, puisqu'il n'a pas été Messit Batorah, Negeda Torah. Lui, il a fait des bêtises, mais il a protégé les autres en disant non, restez dans la Torah. Pas comme certaines personnes qui sont Chozrim Bécheela, ils te disent la Torah, c'est des ch'touyotes. Lui, il est Chozer Bécheela. Il était fâché contre Dieu par rapport à une chose où il s'est tenu dans la Vera, mais il a dit par contre aux autres, reste dans la Torah. Alors, étant donné qu'il était dans cette situation, on peut quand même apprendre sa Torah. Mais s'il avait, en plus de cela, fait tomber d'autres juifs, vous avez compris ce que je veux dire? Ça, même des fois, quand tu travailles dans des choses interdites, ou quand tu fais des choses qui sont interdites, quand toi-même tu n'es pas l'Oralen Velo Alechem une fois, l'Oralen Velo Alechem, une personne qui n'avait aucune valeur mentale, aucune valeur morale, qui fréquentait sa femme, qui fréquentait peut-être d'autres situations, les cartes, les chamishmor, tout ce qui est tripot, tout ce qui est sale dans ce monde, il est parti à une bar mitzvah. Qu'est-ce qu'il a apporté comme cadeau à la bar mitzvah? Isha Zona. Il avait maintenant 13 ans et jour, il a porté une Goya pour emmener cet enfant qui avait 13 ans et jour, qui était pur, dans le Guinée-Guinée-Guinée. Après, les gens, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ils se demandent pourquoi ils ont des malheurs dans la vie. Ils se demandent pourquoi, quand ils font tchouva, ils ont tellement de malheurs dans la vie. Tu viens d'emmener un enfant au Guinée. Tu viens d'emmener un enfant dans un des plus graves interdits de toute la Torah. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font à un enfant? Ils lui donnent des cigarettes. Pourquoi tu fais une chose pareille? Ah, ça va, ça parmi ça, donne-lui un paquet de cigarettes. Mais d'où ça sort, ça? La cigarette, c'est mauvais pour la santé. La malache, pile est à Adam. Pourquoi faire tomber une personne? Que toi, tu fumes, c'est une chose. Mais tu fais fumer les autres. T'as dit, t'as besoin. La reine baisera ta chaîne, même si toi, t'es pas dans la bonne direction. Fais au moins en sorte que les autres vont dans la bonne direction. Le rabbi de Lubavitch, Zatzal, avait l'habitude de dire, n'attends pas d'être parfait pour dire aux autres ce que tu n'as pas réussi à faire, parce que peut-être que eux réussiront à être ce que toi tu n'as pas été. Ça veut dire que même si tu fumes, il est certes évident, comme le dit le Rabbi Ovadia ben Barthénora, il dit une personne qui fume, c'est dur de dire à l'autre, ne fume pas. Pourquoi? Il dit, mais toi tu fumes. Il dit, d'accord, moi j'ai pas réussi, mais peut-être que toi tu peux réussir, comme ça dit le Rabbi. N'attends pas d'être un grand pour donner ta Torah. Ce que tu as appris, donne-le déjà. Même si toi tu ne fais pas encore, donne-le déjà. Parce que peut-être que ta parole à toi, elle pourra pénétrer le cœur de l'autre en disant, tu vois, moi j'ai pas réussi, mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que l'autre il va prendre le challenge et réussir dans la vie. La chen b'ezrat Hashem, si chas v'shalom, une personne va pas dans la bonne direction, au moins qu'il ait la sagesse, et non pas la sagesse, de ne pas faire chas v'shalom porter la même avéra chez les autres juifs. Au contraire, tout celui qui sauve un juif d'une avéra, il lui a sauvé la vie dans ce monde et dans l'autre monde. La chen adam y'e chacham. V'lok moshe katouf po. Bilvad sh'iten v'ashemen, la chen, z'man d'akot chanouka, b'tzetou kohavim. Et pourquoi je vous ai dit ça maintenant? Tout ce tour-là, comment ça fait qu'on est rentré là-dedans? Parce que si vous êtes des patrons juifs, et que vous avez de la émouna, renvoyez vos ouvriers allumer les bougies de Hanouka et qu'ils reviennent après travailler, comme tu as posé la question. C'est un juif qui est dans le bureau. Au contraire, aide le juif, t'inquiète pas, ta parnassa, c'est Dieu qui la donne. T'inquiète pas. Aide la émouna, birkat denek, aide la émouna. Oh, baba, c'est Hanouka, qu'est-ce qui se passe? Tu vas chez toi, tu allumes et tu reviens. Nous, le collègue ici, tous les avrichim de tous les kolélim, on libère tous. Il y en a qui étudient jusqu'à 7 heures ici. Mais va vivre ta Torah. Pas simplement l'avrichim.
la boutique, ferme ta boutique, aie confiance. Va, l'allume et elle revient. Chez Yad Lakat Nerot. Oh, mais c'est moutard d'allumer jusqu'à tant qu'il y a du monde dans alors, les rues. Alors, combien c'est du monde dans les rues? Je te lis la halakha. Zman Lakat Nerot Hanouka ou Betzete Kochavim. Vien Lalik Ela la Har Bilvad. Chez Tenba Shemed, le Zman. שתכלה רגל מן השוק, שהוא כחצי שעה מצאת הכוכבים. חצי שעה מצאת הכוכבים. אבל בין התנועים, כי כמו תדיר, ג'סקה חצות. כי כמו תדיר, בסדר, זה פיניה, להלכה לפה שונג'ר. נכון, אבל שדון פוז אין קסיון. פוז אין קסיון, תשום רפון. תשועד לארג'ון, ברוך השם. תעשה כתות לבטיר רול, אל תומן רון תוז'ור ויפון לתנקט פה. תפרפר עם תלפיית אינו פורי, ou une Mercedes. Je te pose une question, réponds-moi franchement. J'ai pas entendu. La Mercedes. Pourquoi Dieu, tu lui donnes une Fiat Uno de l'allumer plus tard, alors qu'on pourrait lui donner une Mercedes, c'est encore habile. Pourquoi pour nous, on tend toujours le meilleur. La meilleure maison, la meilleure femme, la meilleure voiture, les meilleurs habits, les meilleurs parfums, et pour Dieu, bah, je comprends pas, il n'y a pas à 10 heures des mondes qui passent dans la rue. Dieu veut te dire, tu ne pouvais pas acheter une Fiat Uno qui t'amène pareil. Non. Il dit, ce que tu te donnes pour toi, pense-le pour moi. L'automne. La reine Bezrat Hashem, c'est question des moulins. Heureux celui qui écoute ses conseils Bezrat Hashem. Monsieur Hochstein, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, que Dieu bénisse cet homme-là. Monsieur Hochstein, je vous avais déjà parlé de lui il y a très longtemps. Et je pense à lui en ce moment parce que c'est un homme qui était exceptionnel. Ce monsieur Hochstein de Jérusalem, il avait acheté la moitié de King George. Et les boutiques que je louais à l'époque, de prêt-à-porter est devenu le prêt-à-laisser à cause des explosions et de l'antifada, était à lui. Et donc, j'étais vraiment proche de lui. C'est un homme qui prêtait 1,5 million de shekels par mois aux pauvres. Pour vous dire combien cet homme était exceptionnel, il avait un carton rempli de chèques, du gmar qu'il avait, des prêts, impayés. Je lui dis, mais vous rendez compte combien il y a d'argent là-dedans? Il m'a dit, chas v'shalom, que j'emmène un juif au Bet Mishpat où je prenne un avocat contre lui. Pour vous dire à quel point cet homme était exceptionnel. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il m'a raconté que quand il arrivait de Hollande, il était après parti aux États-Unis, il a acheté une des plus grosses firmes, je crois que c'était Peter Sevezant, qui était à lui, il a revendu. Et après, il a fait sa alia très tôt ici pour venir étudier la Torah. À l'époque où je fréquentais, il avait 96 ans. Hein, je ne sais pas aujourd'hui où il est, mais il n'aurait plus de... Ouais. Il serait très très vieux là. Dans mes chanets. On est masqué de chez moi. C'est lui qui a créé d'ailleurs Echa Torah en face du Kotel. Vous avez M. Hochstein juste en dessous, c'est lui qui l'a créé. C'est le président de Echa Torah. Il a créé 19 yeshivot dans le monde, 19. Dont 2 en Galoute et 17 en Israël, dont il est le président. C'est-à-dire tous les mois, 300 000 shekels. Et la seule chose qui l'intéressait, une fois que j'étais chez lui à la maison, c'est qu'il avait son petit ordinateur, tout vieux comme il était, avec ses secrétaires à côté. Et il y avait plein de monde qui venait le voir comme ça. Et la seule chose qui l'intéressait, ce monsieur, c'était combien il devait donner de maaser. Ce qui rentrait dans ses poches ne l'intéressait pas du tout. La seule chose, je me disais comme ça. Moi, tous les matins, je cours voir combien de maaser je dois donner. Il ne donne pas 10, il donne 20. Et tu avais les gens de l'autre côté qui attendaient, les rochers chivotes qui attendaient. Une fois, j'ai eu faire de mes proposer un chèque de 300 000 shekels. J'ai donné à la personne de Chabot. Il m'a dit, c'est ma vie. Ma vie, c'est de soutenir la Torah. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, écoutez, comme ça, je reprends exactement ces mots. Dieu, il dépose l'argent chez qui il veut, Nahon. Pourquoi il veut me retirer, moi, le vieux, pour le donner ça à un jeune? Si je fais le travail d'un jeune, il me donne la vie. C'est pas mal. Moi, je fais, voilà, pourquoi tu veux me changer? Je fais le bon travail, je fais la même chose qu'un jeune qui va gagner de l'argent, voilà, je fais la même chose. Il m'a dit comme ça, je ne sais ni ce que c'est un médecin, ni ce que c'est un médicament, et je suis toujours étonné quand j'entends des gens qui disent, j'ai mal à la tête. Je n'ai jamais connu ça de ma vie. Je lui ai dit, comment c'est possible? Il m'a dit, j'ai toujours été l'ami d'Hachem. Je dis, pourtant, il y a des tzadikim qui ont souffert. Moi, ça, ils ne sont pas l'ami d'Hachem. Non. Moi, j'ai toujours été l'ami d'Hachem dans le sens où, depuis que je suis jeune, j'ai toujours dit à Kadosh Baruch Hu, je suis avec toi dans tout. Tout ce que j'ai fait, je l'ai eu. Je lui ai dit, donnez-moi comme une action exceptionnelle. Et là, ce que je vous racontais, comme histoire, M. Hochstein, quand il est arrivé ici, Bokam Medina, il a créé une usine. Une très grande usine. Il voulait devenir le premier importateur de pipes israéliennes dans le monde. Non, il a toujours été dans le tabac. Donc, il voulait devenir le premier importateur de pipes. Je dis, alors, il me dit, ah ben, tu connais le mot catastrophe? Je dis, ouais. Il m'a dit, et en dessous, il y a quoi? Je dis, ben, il y a pire que catastrophe. Il m'a dit, et en dessous? Il m'a dit, ça a été un fiasco. Mais j'ai toujours aussi dans les affaires, j'ai ouvert une usine, et j'avais 200 ouvriers. 200 ouvriers. 200 ouvriers, il me dit, 200 ouvriers. Seulement, dans le contrat d'embauche, il y avait marqué,
8 heures, obligé de venir au travail. Chayav l'anir tfilin. Il n'y avait que 200 juifs. Prière de Shaharit à l'usine, obligatoire. C'est faire Torah et tout. Hein. Et prière de Mincha, obligatoire. C'est dans le contrat. Je lui dis alors, il m'a dit, ben, tant que je gagnais de l'argent, de quoi couvrir les frais sans gagner d'argent, je les ai gagnés. Et après un certain temps, comme on a été boycotté 67, la guerre, on a été boycotté, j'ai quand même maintenu l'usine pendant 2 ans encore. À perte. Totale perte. Je lui dis, mais pourquoi vous avez gardé une usine qui perdait de l'argent? Tout ce que vous gagnez, vous le perdez. Il m'a regardé comme ça, M. Hochstein, il m'a dit, vous savez ce que c'est de voir 200 personnes qui prient le matin avec les tefilines? Vous savez ce que c'est de voir 200 personnes qui prient Mincha? Amen, yé, chez mes rabbins dans une usine. Ça vaut pas tout l'or du monde. Zedugma yafa. Monsieur Hochstein, que Dieu bénisse cet homme. C'est exceptionnel. Je me rappelle qu'une fois, je vous rappelle encore son mérite à ce monsieur. Monsieur Hochstein. Je descendais comme ça les escaliers d'un de ses immeubles et il y a une femme qui lui saute à la gorge. Vous êtes un voleur! Alors lui qui était sur sa canne comme ça, je le tenais par le bras et il dit, moi, Hasbe Shalom, qui j'ai volé? Il dit, vous me devez 300 shekels, 700 shekels. À l'époque, hein, 700 shekels, c'était pas rien. Monsieur Hochstein pose son porte-monnaie et il lui remet 700 shekels. D'accord? Elle lui a pris, elle fait pfiou, et elle est partie. Quand on a continué sur le trottoir quelques mètres plus loin, je lui ai dit, Monsieur Hochstein, vous connaissez cette dame? Il m'a dit, je n'ai jamais vu de ma vie, je ne sais même pas qui c'est. Mais elle a dit que je lui dois, je lui donne. Alors bien entendu, ceux qui écoutent ça vont dire, c'est facile de donner quand on a de l'argent. Monsieur Hochstein m'a dit, c'est encore beaucoup plus difficile. Je lui dis, ah bon? Parce que moi, je lui ai fait cette réflexion. Je lui dis, bon, vous donnez, bah, grâce à Dieu, vous avez beaucoup de moyens. Donc, quand on a beaucoup de papier, on donne du papier à la fin, hein, quand on en a beaucoup. Il m'a regardé comme ça sur sa canne et il m'a dit, c'est exactement le contraire. Quand je donnais 20 000 $ quand j'étais aux États-Unis de Maaser, c'était très simple. Le jour où j'ai vendu ma firme, ok, et que j'ai dû donner la somme de 20 000 000 $, il m'a dit, ma main, elle tremblait. Tu sais ce que c'est donner 20 000 000 $ à la Torah? 20 millions, tu les donnes à la Torah. C'est pas rien, 20 millions. 20 000 $ à donner, c'est facile. 40 000 $, ça devient difficile. Mais plus tu donnes des grosses sommes, et plus tu as envie de dire ce Yetzerara, vous n'avez qu'à aller travailler, vous. C'est mon argent. On ne sait jamais dans la vie. C'est de la Emouna. Et il m'a dit, jamais j'ai failli. Il m'a raconté une histoire marrante. Il m'a dit, j'ai un copain à moi d'école quand j'étais en Hollande. J'ai un copain à moi en Hollande, un goy. Quand moi je suis parti en Israël, lui il est parti vivre en Corse. Pour des raisons, il avait de la famille là-bas, il est parti vivre en Corse. Il lui a dit, moi je suis resté clochard et toi t'es devenu riche. C'est quoi la recette du juif? Il lui a dit, le maaser. Il m'a dit, ce goy aujourd'hui qui vit en Corse, tous les mois il envoie son maaser dans mes comptes que je retribue à la Torah pour acheter les papiers toilettes, tout ce qui est le ménage, tout ça. Il envoie son maaser. Je dis alors, il me dit, il est devenu millionnaire. Zaymouna. La reine, quand vient l'allumage des bougies, si tu as les moyens, si tu le peux, Bezrat Hashem, envoie chez le patron des patrons à Kadosh Baruch Hu pour qu'ils aient une lumière et tu verras Bezrat Hashem que Kadosh Baruch Hu te rendra ces lumières dans l'obscurité de ton travail. Shalom Kol Tov et Be'atzlacha. Ken.